Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scoubon. En dessous, c'est vous tous abonnés, cliquez là sur abonner ou activer la cloche, ça va manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est facile. En dessous, c'est vous toutes les informations se trouvent là pour vous. Vous pouvez faire les dons via PayPal et ouais, c'est mignon. Yeah! Merci à tous, tous ceux qui font les dons. Que Dieu vous bénisse. Ouh! Mes frères et sœurs, ce dont nous allons parler ici, nous avons en parlé il y a peu de temps seulement. Il s'agit tout simplement de la musique satanique, la musique chrétienne satanique. On a fait décryptage, la première partie. Ceci est la deuxième partie. Vous pouvez regarder la première partie dans la vidéo qui suit ou qui va s'afficher à la fin de la vidéo, à la fin de cette vidéo. Vous verrez les deux vidéos s'afficher là où vous allez choisir. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la première partie? Nous allons tout vous dire dans ce qui s'est passé dans la première partie pour que vous puissiez bien comprendre ce qui va se passer ici. Déjà, vous devez savoir que ce qui va s'ajouter même dans la deuxième partie ici, c'est un témoignage, c'est tiré d'un témoignage, un témoignage qui n'est pas encore disponible sur Union Scribon en ce moment. Ce témoignage sera disponible que le jeudi prochain. Le jeudi prochain, ce témoignage sera en ligne. Le jeudi dans la matinée. Vous voyez, selon votre pays aussi, ça dépendra. Mais le jeudi prochain, ça sera disponible. Toutes ces informations supplémentaires seront tirées de ce témoignage-là même. Donc, soyez abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et regardez les vidéos qui vont venir. Ça dépendra, hein? Ça peut même venir tout en fonction de ce que Dieu lui-même va nous inspirer. Alors, entendez le témoignage. Ce qui s'est passé dans la première partie, c'est simple. Nous avons dit que la musique, c'est faite pour adorer Dieu. Ouais. Et c'est ça la musique chrétienne. Maintenant, quand le diable décide de descendre, entrer dans la musique chrétienne, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit dans cette musique-là, au travers de ses agents, il introduit des symboles occultes. Dès que vous voyez la présence de symboles occultes dans un clip chrétien, c'est qu'il y a un problème. C'est que le diable est là. C'est ce que nous avons dit dans la première partie. Et ce n'est pas faux. Quand nous avons fait cette vidéo, franchement, Dieu nous a inspirés. Et voici que hier, dans nos recherches, nous sommes tombés sur encore des éléments que nous devons ajouter. Nous vous avions dit dans la première vidéo, dans la première partie, que ce n'est que le début. Il y aurait encore une série d'autres vidéos et Dieu lui-même s'est glorifié. Voici encore des informations que nous avons eues. Quand cette musique-là est chantée par une personne qui n'est pas chrétienne, qu'est-ce que ça donne? Ou encore, quand c'est chanté par un sataniste, ou du moins, quelqu'un qui est déguisé en vrai chrétien, qui est sorcier, quand cette personne-là chante cette musique-là, que se passe-t-il? Déjà, vous devez comprendre que dès que cette personne est sorcière et qu'elle commence à chanter de cette musique est déjà polluée d'avance. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est déjà pollué. Parce que ce sera une musique qui sera déjà travaillée par le monde des ténèbres. Travaillée. Quand nous disons travailler là, ça veut dire que cette musique-là, de A, quand elle va commencer à chanter de la mélodie, du genre musical, de la mélodie, de A jusqu'à Z, les paroles qui seront ajoutées, les éléments de toutes ces choses-là seront travaillés. Même dans le clip, tout ce que vous allez voir dans les clips là, seront aussi travaillés, préparés par Satan lui-même. De sorte que ce clip puisse intoxiquer les vrais chrétiens qui vont écouter cette musique. Même les initiés à la sorcellerie, à l'occultisme. Pourquoi? Parce que dans ce clip là, vous allez retrouver quoi? Des symboles occultes. Comme nous venons de vous le dire. Ça ne manque jamais ce genre de choses. C'est pourquoi on revient encore là-dessus. Ce genre de choses dans la musique chrétienne, c'est possible. Tu vas voir des symboles occultes. Si vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas ce que c'est qu'un symbole occulte. Allez sur Google. Écrivez seulement symbole occulte. Ou bien allez sur Union Scribon. Cherchez symbole satanique et vous allez trouver tout ça. Mes frères et sœurs, c'est grave. Le diable a décidé d'entrer dans la musique chrétienne aujourd'hui. Et les gens ne savent pas ça. Ils se mettent à chanter. Certains ne sont même pas au courant. Il y a beaucoup de personnes qui regardent même qui ne sont même pas informées. Que le diable est entré maintenant dans la musique chrétienne au travers de ses agents qu'il a préparés dans le monde des ténèbres pour entrer dans la musique chrétienne. Ah, mes frères et sœurs,
Ah, mes frères et sœurs, voici le témoignage à l'appui que nous avons reçu d'un témoignage d'un ex-sataniste qui va venir le jeudi prochain. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que dans les réunions sataniques qu'ils ont là, souvent là, parmi eux là, j'ai des chantres chrétiens gospel, des chantres qui sont soi-disant des chrétiens qui assistent aux réunions sataniques. C'est-à-dire, l'un sataniste c'est qui? C'est quelqu'un qui assiste aux réunions de Satan. Et ces chrétiens-là, ils sont là-bas aussi. Ce sont des chants, c'est un chant chrétien gospel. Il dit que vous allez retrouver souvent sur eux des bagues, de grosses bagues. Souvent, il y a des crânes humains dessus. Il y a beaucoup de symboles. Même souvent, là, il y a des symboles des francs-maçons sur des bagues. Là. Faites attention, ce sont des signes. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Et dans la musique, là, le diable, il dit que le diable ne manque jamais de mettre un symbole occulte dans une musique. Pourquoi? Il dit, vous savez pourquoi il fait ça? Il fait ça tout simplement parce qu'il aime déposer sa marque dans toutes les choses où il y a sa présence. Voilà. C'est comme vous créez une marque et puis vous décidez de mettre votre nom dessus pour qu'on vous reconnaisse. C'est la même chose. Donc, ça ne manque jamais pour les détecter là. Il faut tout simplement connaître d'abord les symboles occultes et il faut déjà commencer à ouvrir les yeux et les détecter. Ça veut dire que quand vous allez écouter une musique là, ne l'écoutez pas dans le sens dont j'écoute me fait plaisir. Écoute pour décrypter d'abord, pour chercher à savoir si d'abord c'est pur, si ça vient de Dieu. Ah! Musique chrétienne, hein, je ne parle pas de musique du monde. Musique chrétienne aujourd'hui, nous devons faire très attention. Et il a dit qu'il y a un chant chrétien gospel. Sa femme a même témoigné que son mari, là, c'est un sataniste. Il ne chante pas pour Dieu, il fait semblant. Et que la nuit, là, il va toujours à minuit au cimetière. C'est là-bas, il va dormir chaque minuit pour obtenir des pouvoirs pour sa musique. Soi-disant chrétien gospel. Ah, mes frères et sœurs, et voici ce qui s'est passé un jour. Il dit que ce sataniste a dit que un jour lui-même là, il a vu un truc. En fait, ce chrétien là, ce chanteur chrétien là, ce musicien chrétien là, lui, chez lui, il a une chambre secrète. Et dans cette chambre secrète là, il entre à chaque fois pour communiquer avec le monde des ténèbres, pour être en relation avec la sirène. Est-ce que vous voyez? Et un jour, sa femme a décidé d'entrer dans cette chambre où on ne doit pas entrer là, pour voir ce que son mari fait là-bas tout le jour. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Dès qu'elle est entrée là-bas, là, elle a vu des choses qu'elle n'était pas censée voir et elle est devenue folle. Et c'est son mari là, il l'a caché. Il l'a caché quelque part dans la maison là. Elle est folle, personne ne sait. Quand on lui demande, mais où est ta femme? Il dit qu'elle allait en mission. Mais c'est lui, ce chant chrétien là, satanique là. C'est lui qui sait ce qui s'est passé là-bas, en plus de tous les sorciers qui sont connectés à lui. Chant chrétien, mes frères et sœurs, chant chrétien, satanique, musique chrétienne, satanique. Et quand ce monsieur-là chante de cette musique-là, tous ceux qui sont chrétiens, même les vrais chrétiens, il danse au rythme, au son de cette musique. Il danse même. Même à l'église, l'homme de Dieu met de cette musique. Il dit à la chorale, chantez de cette musique s'il vous plaît, chantez. Et tout le monde chante ça à l'église. Parfois, il est invité même dans les églises pour venir chanter. Et tous ceux qui sont dans la salle se mettent à danser au rythme de cette chanson. Vous savez ce qui se passe quand les gens commencent à danser là? Quand cette musique là, faite par un chrétien satanique, dès que cette musique-là est chantée, ou encore lui-même se met à chanter, les démons qui se trouvent dans cette musique et les symboles occultes s'activent et les démons entrent dans la salle, possèdent les gens. Voici ce qui se passe. Et vous allez voir les gens tomber sur onction. Les gens vont dire, ah, la musique-là, il y a un pouvoir de Dieu dedans. Vraiment, Dieu se manifeste. Alors que ce sont les démons qui sont en train d'entrer dans les gens comme ça. Mais ils ne savent pas. Mes frères et sœurs. Le monde, c'est un danger. Tout le monde le sait. La musique du monde est un danger. Eux-mêmes, là, les musiciens, les chanteurs du monde, là, eux-mêmes, là, souvent, ils se confessent pour dire qu'ils ont vendu leur âme au diable. Mais les chrétiens, là, quel chrétien a venu te dire qu'il a vendu son âme au diable si ce n'est pas un témoignage?
ou encore un témoin que nous avons reçu, ou encore sur Nyan Scoubonne, vous attendez ça. Faites attention, réveillez-vous, réveillons-nous, il y a des choses graves qui se passent. Et ça, ce n'est que la deuxième partie de cette vidéo. La vidéo officielle, le témoin de cette personne va paraître le jeudi prochain. Et dans la suite du coup de Nyan Scoubonne, nous allons retravailler encore cette vidéo en une autre partie, afin que vous puissiez bien comprendre ces choses en détail. Ça veut dire que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Il y a une cloche juste à côté là. Cliquez sur la cloche pour l'activer si ce n'est pas encore fait. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir constamment les vidéos de Nyan Scoubonne dans les prochaines vidéos. Et dans les vidéos qui vont suivre, vous verrez également d'autres vidéos qui vont venir. Et dans ces vidéos là, vous pourrez certainement repérer cette vidéo en question. Alors soyez prudents, soyez connectés, regardez les vidéos qui ont déjà été traitées. Et vous verrez tout. Vous verrez tout. Ce n'est que le début. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Nyan Scoubonne vous dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous garde. Bon visionnage à tous pour la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui feront les dons. Et à bientôt. Que Jésus vous garde.